maire de Paris et Laetitia Hayden. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci. La liberté d'être, la liberté de vivre, la liberté de penser. En honorant la mémoire de Denis, c'est à cette liberté aussi que nous rendons hommage aujourd'hui. Une liberté dont on devine les contours dans le contexte sanitaire difficile que nous vivons. Il disait être né dans la rue, n'avoir de compte à rendre à personne, le rock'n'roll chevillé au corps. Il rêvait sur les routes qu'il aimait emprunter, cheveux au vent, avec ses frères. C'était le sens de sa vie. Devenu pour beaucoup un art de vivre et une inspiration. La route et la musique font partie de la vie de Denis. Une vie en mouvement qui nous a bousculés tout en laissant derrière elle son empreinte, son mode de vie et sa philosophie. Quand j'ai découvert l'œuvre de Bertrand Blier que nous dévoilons aujourd'hui, j'ai perçu figé pour l'éternité la quintessence de ce à quoi Johnny aspirait. La route, la musique et le rock'n'roll. Le 5 décembre prochain, cela fera déjà 4 années que Johnny veille sur nous. 4 années de résilience pour tous ceux qui l'ont aimé. 4 années d'un long chemin parcouru pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Et pour que Johnny puisse enfin nous réunir autour de lui, de sa mémoire et de sa musique. Johnny nous a tant donné que nous devons lui rendre, chacun à sa mesure, une petite part de ce qu'il nous a transmis. Voilà où je suis. C'est le sens de cette cérémonie. Dernière fois que je viens. Ancrée pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son passage parmi nous. Pour qu'à notre tour, nous puissions la transmettre aux générations futures. Il aurait été si fier d'imaginer l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui. Il aurait été si ému de cette esplanade, à quelques pas de la scène de Bercy, son piédestal sur lequel il nous a fait rêver plus de 100 fois, puisse un jour porter son nom. Permettez-moi d'avoir un mot d'affection et de reconnaissance pour tous ceux qui ont rendu cette journée possible. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, Karine Roland, adjointe à la culture, Laurence Patrice, adjointe à la mémoire, les équipes des directions des affaires culturelles, de l'information et de la communication, ainsi que celle du secrétariat général de la ville de Paris, Kamel Ménour, je crois qu'il est là, Kamel, merci pour ta bienveillance infinie. Merci à tes équipes, sans qui cette œuvre n'aurait pu être réalisée. Merci de m'avoir écoutée et merci de m'avoir fait confiance. Bertrand Lavier, à qui nous devons cette œuvre extraordinaire, et les équipes de l'agence Majorelle. Ce soir, ses musiciens, ses amis, joueront pour lui et pour nous tous. Sa famille, ses amis et ses fans de toutes générations confondues. Je voudrais remercier l'Accord Arena et son directeur général Nicolas Dubeux, Harley Davidson France, la société DMLS TV, Anne-Marc Cassius et Mathieu Verne, tous les bikers qui sont là aujourd'hui. Merci. Merci. Toutes les équipes qui ont travaillé depuis plus d'un an sur ce projet et les artistes qui ce soir célébreront sa mémoire dans l'amour et dans la fraternité. Merci à nouveau, Madame Hidalgo. Merci, Anne. Merci d'avoir porté ce projet. Merci d'avoir cru en moi et à mon rêve. Merci d'avoir travaillé depuis 2 ans avec tant de bienveillance et d'amour
pour Johnny, et pour nous tous. Nous sommes si heureux, aussi heureux aujourd'hui d'aboutir à ce joli rêve. Avec Jade et Joy, nous vous remercions de tout notre cœur. Les étoiles s'alignent aujourd'hui, et en plus la pluie s'est arrêtée. Et je pense qu'il y a eu quelque chose. C'est un rêve qui devient réalité, un lieu de rendez-vous pour se connecter à Johnny, à sa musique, pour toujours. Vive la liberté de Johnny, et que pour longtemps, vive le rock'n'roll. Géant nous a quittés. Et pourtant, grâce à vous Laetitia, grâce à vous aussi celles et ceux qui l'aiment, qui continuent à faire vibrer sa musique, il est toujours parmi nous. J'aimerais aussi bien sûr remercier très très chaleureusement celles et ceux qui nous ont permis de nous retrouver ce matin ici au cœur de Paris pour inaugurer cette esplanade au nom de Johnny. Bien sûr, vous Laetitia, avec qui nous avons souvent parlé, échangé. Et je garde un souvenir tout particulier de ce rendez-vous que nous avons eu en janvier pour évoquer ce moment. Et je crois que ce moment est vraiment conforme à vos rêves, à nos rêves, et sans doute conforme à ce qu'était Johnny. Notre souhait, votre souhait, était d'offrir un lieu en France où tous les fans pourraient venir se recueillir et sans se rendre de l'autre côté de l'Atlantique où Johnny repose désormais sereinement au pied des vagues. Et tout le monde a redoublé d'efforts pour que le souvenir de Johnny puisse être ici et gravé au plus vite dans le cœur de Paris. Comme si c'était une urgence vitale, parce que c'était une urgence vitale. Et cette esplanade portera dans un instant son nom. Vous savez, donner le nom d'un lieu à un artiste, à une personnalité, à Paris, ça n'est pas toujours simple. C'est quelque chose qui doit venir de notre histoire, de ce qui nous anime, de ce qui nous réunit. Et pour Johnny, il y avait vraiment cet élément d'union. Johnny est quelqu'un qui a uni les Françaises et les Français bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, et donner le nom de Johnny à une esplanade ici à Paris, j'y reviendrai, dans ce lieu si particulier. En fait, assez vite, ça s'est imposé comme une évidence, parce qu'il y a en nous, en chacun d'entre nous, toujours quelque chose de Johnny. Je pense bien sûr à toute sa famille, à vous Laetitia, mais aussi à David et Laura. Permettez-moi de... tellement heureuse de savoir qu'il y aura un endroit dans ma ville où je serai à côté de toi. Je t'aime pour toujours, ta fille Laura. Je veux bien sûr aussi penser à Jade et à Joy qui sont là, si belles. Et à ses petits-enfants aussi, aux petits-enfants de Johnny, Ilona, Emma, Cameron et Léo. Je veux bien sûr penser à toute sa famille de cœur, à tous ses proches, et ils sont très nombreux, parce que Johnny Hallyday était un homme généreux, solaire, un homme gentil, en fait un véritable gentilhomme, s'il y avait une définition, je crois qu'elle lui conviendrait à merveille. Je pense à tous ses compagnons de route, à toutes ses équipes qui l'ont accompagné, elles sont là, les musiciens. Bien sûr, je me réjouis aussi de la présence de ses plus fidèles acolytes, Yarol Poupeau, Yvan Cassard, Godlis et Robin Le Mesurier, qui sont venus pour jouer avec lui.
d'amour, parce que c'est aussi, et je sais combien pour vous, Laetitia, l'émotion est forte, c'est aussi une source de nostalgie, disons-le. Je veux donc saluer ce travail exceptionnel aussi de Bertrand Lavier, l'un de nos plus grands artistes, et avec cette œuvre, maniant la guitare, la moto, ces deux emblèmes iconiques dans le cœur de Johnny et dans le cœur de ses fans, il est fidèle, cette belle œuvre d'art est fidèle à la vie qu'il chérissait, et par-dessus tout, la musique et la liberté. Je veux remercier Kamel Mennour pour sa générosité et ce cadeau qu'il fait à la fois à Paris, aux Parisiennes et aux Parisiens, mais en fait à tous ses fans et en fait à toutes les Françaises et les Français. Oui, nous devions être là ce matin et nous le devions pour honorer cette mémoire qui aura marqué son temps. Johnny est un artiste à part qui n'a cessé de se réinventer. C'est cette histoire d'une trajectoire unique, celle de la star des années 60, qui est devenue en quelques années non seulement une voix du blues à nul autre pareil, avant de rejoindre les plus grands noms du rock. C'est l'idole des jeunes qui est devenue l'idole d'une génération avant que le destin n'en fasse une légende. Johnny a traversé le temps, il est devenu éternel. Et nous avons toutes et tous notre souvenir avec Johnny. J'ai eu la chance de l'entendre parler si souvent de Paris, de son attachement viscéral à notre ville, cette ville qui appartient à toutes les Françaises et les Français. Et entre Johnny et Paris, je veux le dire ici, c'était une belle histoire d'amour. Il est né dans le 9e arrondissement, un 15 juin. C'est à Paris qu'il va dévorer les disques, découvrir le blues américain et le rock de Nashville. C'est dans les rues de Paris qu'il va croiser le chemin d'Eddie Mitchell, de Jacques Dutronc, avec lesquels il va jouer à plusieurs reprises dans une cave de la rue de Clichy. C'est à Paris aussi qu'à 18 ans seulement, il va triompher à l'Olympia, un triomphe qui sera le premier d'une très longue liste. Et puis c'est ici aussi à Paris que Johnny a révolutionné notre manière de vivre les concerts. Johnny a réinventé les concerts, le Parc des Princes, le Zénith, Bercy, le Palais des Sports, et nous avons pu assister à ces concerts spectaculaires dont lui seul avait le secret. C'est à Paris qu'il a réuni 400 000 personnes au pied de la Tour Eiffel pour cet immense concert gratuit que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand même les autres, oui, le passage à l'an 2000. Et c'est à Paris aussi, voilà, place de la République, que Johnny avait offert, je m'en souviens comme hier, aux Parisiennes et aux Parisiens en novembre 2015, un merveilleux concert, cette marque d'amour, quelques jours seulement après les attentats que nous venions de connaître. Et c'est à Paris qu'un million de fans aussi s'est retrouvé autour de la Madeleine pour lui dire un adieu qui était le cri du cœur d'un peuple tout entier. Ce soir, les plus grands tubes de Johnny résonneront à nouveau dans ce temple de la musique dans lequel il aimait tellement venir et qu'il a tant marqué. Oui, Johnny était une légende, mais pour beaucoup d'entre vous, c'était un mari, un ami, un père. Un ami sur lequel, vous le dites tous et toutes, on pouvait compter. Un ami débordant de générosité. Un artiste qui vivait pour son public. Un homme qui s'offrait entièrement, sans mentir, sans se cacher, sans se renier, et dans toute sa sensibilité, et on sait combien elle était grande. Un rock. Johnny était un rock qui n'a jamais sombré malgré ses épreuves de la vie et qui nous inspirait par sa force. Alors oui, en attribuant à Johnny le nom de cette esplanade avec son nom, Johnny Hallyday, nous rendons hommage à un enfant de Paris, à une star à la renommée mondiale, une source d'inspiration intarissable pour toute une génération d'artistes. Oui, Laetitia, vous l'avez dit, il nous a tant donné, avec tant d'amour et de gentillesse, que nous avons tous et toutes été touchés par lui. Peu de personnes sur Terre ont cette chance.
toucher au cœur les femmes et les hommes qui considèrent qu'il fait partie de leur vie. Et parce qu'il a accompagné les moments de nos vies, c'est ce que je ressens aujourd'hui très profondément. Je veux vous le dire, Paris rend hommage à un de ses enfants, Paris rend hommage à un ami, et Paris ne l'oubliera jamais. Je vous remercie. Madame Anne Hidalgo et Madame Laetitia Alizet vont maintenant procéder au dévoilement de la plaque officialisant l'esplanade Johnny Hallyday en ce 14 septembre.